Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la saison 2 de Moto & Co dans ce magnifique décor. Je ne sais pas si vous avez vu les efforts qui ont été consentis par la technique chez nous. Ça rigole pas. Là, on a quelle quand même des épreuves de choc, ça les bosse. Amis. Maria Camille, ça va bien. Salut, Eric Philippe. Ouais. Comment allez-vous aujourd'hui, ma chère? Ça va très bien. Un petit thé, peut-être. Ouais, okay, on s'en fiche. Mais il va pas la ramener, le Roscoe, quand même. Ça va, mais dis pas. Oui, monsieur Eric Philippe. L'homme, on a dit qu'on était très... Non, j'aimais bien l'embêter, ouais, c'est tout. Ah, pendant qu'on y est... Oh, alors attention, on a dépassé les 50 millions de vues. Alors là, merci à vous, les amis. Mais... Franchement, ça nous fait super plaisir. Il reste une petite étape. Voilà. On compte sur vous. Les 100 000. Les 100 000. Les 100 000. On a dit qu'on faisait les 100 000. Les 100 000. Avant la fin de l'année. Donc, on y va. On partage. Si on nous aime bien, on en parle à ses copains. On en parle à son chien. On vous fait la des grand-mère. Faux comptes YouTube. La grand-mère, tout. Vous, vous abonnez vos chiens, vous l'abonnez votre chien. On va quand même pas... Non, mais vous avez deux chiens, un chat, des canaris. Vous abonnez tout le monde. On passe les 100 000. Rigole pas, sérieux. On a dit qu'on passait les 100 000. Après, des commentaires cuicui ou on y est presque. Oh, franchement, ça craint. Si on n'y arrive pas, c'est là. Honte absolue. Donc, on y va. Sinon, Mehdi va être obligé de se promener nu dans la rue pour le premier de l'an, puisqu'il a parié. Il le sait pas, mais il a parié. Wow. Au sommaire, au sommaire de cette émission. Bon, on va peut-être parler de moto quand même. Oui, puisqu'on parlait justement de l'année prochaine. On a vu plein de roadsters qui vont débarquer, qu'on va bientôt essayer nous. Mm. On espère vous en faire profiter très rapidement. Avant ça, déjà, on va brosser un petit peu le portrait du monde roadster de l'année 2018. On va aussi parler d'un équipement sympa, c'est des bottes que Maya a eu l'occasion d'essayer, des petites Alpine Star, plutôt bien, des bottes de piste. Hein. Donc, on va essayer ces petites bottes-là, et puis on va commencer bien sûr par le débrief. Le débrief, alors je vous rappelle, hein, le débrief c'est, on a essayé une moto il y a quelques temps, on revient dessus, mais d'un autre côté. Voilà, on a essayé, vous pouvez regarder l'essai, il n'y a pas de souci, c'est toujours sur la chaîne Motor Live. Mais là, on a envie d'en parler un petit peu différemment, de voir par rapport à ses concurrents ce que ça donne, ouais. etc. etc. Ouais. Et ça commence par la Ducati Monster 821. C'est parti pour le débrief. Donc la 821, c'est toi qui l'as essayé? Oui, monsieur, première nouveauté 2018 chez Ducati. 821, qu'on pourrait baptiser Evo. Evo, pourquoi Evo? C'est ce que j'ai conclu. C'est une très bonne moto, trois petits points que nous connaissions déjà, puisque c'est une évolution qui était logique, puisqu'on se rapproche de la dernière 1200 et de la petite, la 797. Oui. Donc cette Monster du milieu, elle change au niveau du look, mais elle ne change pas du tout au niveau moteur, ni au niveau du châssis et de la partie cycle. Il faudra donc attendre encore un petit peu pour voir revenir ce monobras qu'on est mettant. Ils n'ont pas fait grand chose chez Ducati. C'est ça que tu veux dire? Bah, ils ont quand même fait un joli package. C'est vrai qu'elle est plus jolie mais comme ça. Mais avec une peinture seulement ou non, il y a quand même... une peinture jaune, déjà, c'est important. Ouais. Ça, ça, on revient un peu aux sources. Un peu comme chez Ferrari. Retour aux sources. Un petit retour aux sources. La M992 qui était dans ce même jaune. Ils avaient gardé quelques pots, en fait. Donc, du coup, c'est un peu comme chez Yamaha, non? Tant qu'ils n'écrasent pas des canaries, tout va bien. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'elle a vraiment de nouveau, sérieux? Son look, son phare. Ouais. Plus sympa, plus sophistiqué, avec des LED, une nouvelle signature. Tu passes derrière, hop, t'as un réservoir avec un magnifique crochet façon bolt de ski. Ça me fait rire à chaque fois. Non, mais ça, c'est évocation du premier Monster aussi. Tu pouvais soulever le réservoir pour accéder à la batterie. Sauf que là, c'est plus côté pratique. Il n'y a plus de batterie maintenant. C'est juste pour faire beau. C'est ça. C'est juste pour faire beau. C'est pour faire jouer les Italiens. C'est aussi pour garder la spécificité de cette moto où on peut retirer facilement le réservoir. Non, non, ça n'a plus aucun intérêt puisque la batterie est sous la selle. Derrière, et puis pareil pour le. Et puis tu perds un litre de contenance. Ce qui est un petit peu dommageable quand même. En revanche, bon, t'as un look un petit peu plus sympa, un petit peu plus trapu comme à l'arrière. T'as aussi une nouvelle partie arrière un petit peu plus sportive. Oui, mais un peu comme la 1200. Au revoir au. Comme la 1200, c'est exactement la même. Et puis le poignet passager, tu les en as. Mais bon, évidemment, personne ne les prendra en option parce que ça casse la ligne. Moi, une question que je me pose par rapport à cette photo. Moi, quand j'étais gamin, pratiquement, puisque ça date de ça, hein, les premiers Monster. Non, Monster, c'était un truc, ça envoyait. Toi, c'était un peu exclusif en termes de position de conduite. Tu avais mal au bras, t'étais pas bien. T'étais pas bien, mais tu kiffais quand même parce que t'étais sur un Monstro. Ouais. Tu vois, c'était ça, tu vois. Tu vois, le Monstro, quoi. Tu vois, t'étais, voilà, c'était le truc un peu rugueux, un peu. T'étais un peu bad boy. Est-ce qu'on est toujours là-dedans? Est-ce qu'elle a perdu un peu de son âme ou pas?
Elle a pas perdu. Alors, entre-temps, le guidon est un petit peu revenu dans des proportions qui sont plus raisonnables. Tu as une position de conduite qui reste sportive par rapport à ce qu'on connaît sur le reste des roadsters. Ouais. Un peu plus basculé sur l'avant. Mais tu n'es pas vraiment en appui sur les poignets, donc ça va, c'est maîtrisable. Ouais. Et puis, tu gardes une certaine finesse de la machine qui est appréciable. Et ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont fait évoluer aussi au niveau des repose-pieds. Tu n'as plus les bottes qui viennent taper contre ceux du passager. Mmh. Et c'est un petit peu mieux, d'autant plus que c'est une bécane de solitaire. Moi, je me souviens, j'avais essayé la première version en 2014 à Bologne. Ouais. J'ai pas souvenir de problème d'ergonomie particulier. Je suis un grand, moi, 44 et tout. J'étais bien, toi t'étais bien, c'est relativement, ça va pour tout le monde, accessible. Quoi. Mais est-ce que c'est toujours un peu caractériel, quoi, parce que c'est très toujours ça, quoi. Faut l'emmener, c'est une mécane. On va pas dire que c'est une bécane d'homme, mais c'est un truc quand même qui demande de l'engagement. Ça. Spécificité, tout à fait, c'est sportif, c'est dans les gènes de la marque. Quand tu pars, tu reviens, tu peux avoir des courbatures, quoi. Tu peux avoir des courbatures, tu peux avoir des courbatures, d'autant plus que moi je trouve que la selle est un petit peu plongeante. Donc quand t'es grand comme ça, t'as du mal à te reculer sur les freinages. Puis tu t'écrases sur les freinages, tu te perds des octaves. Mais sinon, ça reste une lame en fait. C'est ça, la spécificité du 821, comme beaucoup sur les monsters, c'est que la partie cycle est vraiment très affûtée. T'as une agilité hors pair. Comment t'as fait pour faire cette petite voix avec l'hélium là? On peut revenir sur la moto, s'il te plaît. Niveau moteur, niveau moteur, elle a changé. Niveau moteur, elle a pas changé. Je demande depuis tout à l'heure. Est-ce que ça a changé? Mais ça reste très très bien. T'as des cartos, t'as trois cartos. Oui, mais ça c'était déjà le cas avant. Il a pas changé. Bah non, il a pas changé. Bon d'accord. Niveau tarif, ça a changé ou pas? Oui, niveau tarif, ça a changé. Ça augmente. Ça augmente parce que c'est plus joli. Et puis parce que le coloris jaune, il faut le faire payer quoi. Mais ça augmente dans des proportions qui sont raisonnable chez la marque. Avant on était à 11 150, aujourd'hui on est à 11 450. C'est pas mal quand même pour un 800 quoi. Pour une redéfinition des lignes, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Il y a des nouveaux pneus aussi, il y a des Pirelli Rosso 3, alors qu'il y avait Rosso 2 avant. Ouais, ok. Ouais, non, mais bon, c'est normal, tout évolue. Mais en revanche, là du coup, ça a la place face à quoi là? Parce qu'on se met balle pour un 800. Pardon, tu commences à BM, hein. Non, bien des 850. Non, mais sur le Roadster, ça la place directement face à la Triumph, la dernière Street Triple 765 RS. Donc le modèle high-level, quoi. Tout en haut, là. Mais qui est peut-être carrément plus équipée en plus, la Triumph. Elle est plus équipée, elle a plus de watts dans le moulin, une quinzaine de chevaux en plus, si je ne m'abuse. C'est plus affûté, c'est plus sportif, clairement. C'est plus sportif, ça la place aussi face à la Brutale 800, la dernière Brutale 800 Euro 4, à 100 euros près. Bon, là, c'est donc c'est le tarif italien, quoi, ou européen, quoi. Non, pas italien, parce qu'une Shiver 900, par exemple, on a 8399 euros. Ah oui, mais bon, la Shiver, c'est pas le même niveau de gamme, hein, quand même. Bon, souvent, on a comparé dans le passé Aprilia et Ducati, origine italienne, moto de caractère. Ouais, normal. Des twins. Non, mais normal. Des twins. C'est normal. C'est tout en concurrence, il y a ça. En concurrente. Oui, c'est tout, monsieur. Ouais. Oui, bah sur la cylindrée, parce qu'après, tu te prends la Z900. Non, mais c'est ça. Non, mais après, voilà, un Z900, tout ça, ça rentre quand même dans la catégorie. T'es pas dans les mêmes tarifs non plus. Mais il y a des nouvelles concurrentes qui arrivent. C'est le moment d'en parler. C'est le moment où on parle des roadsters qui arrivent. Notamment. La Duke 790. Bon, attends, c'est un truc de malade. T'as vu la tête qu'elle a? Je trouve qu'ils ont réussi quand même à faire quelque chose. Tu vois, l'année dernière, le proto. Ouais. On n'y est pas. Ah ben non, mais ça pouvait pas sortir. On n'y est pas. Non, mais elle est pas. On va leur reprocher. Je sais, on va leur reprocher. On va leur dire, ouais, vous avez montré un super proto, c'était super et tout. Elle a pas du tout la même tête. Non, tu peux pas l'homologuer. Elle est pas si loin que ça. Non, elle est l'esprit pas si loin est là. Et elle est super belle, quoi. Elle a vraiment Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est la finesse surtout, quoi. J'ai hâte de monter dessus pour la piloter. Je vois une super finesse et puis une selle, un réservoir qui remonte comme ça. Oui, c'est vrai. Un petit peu façon Kawa aussi. Les anciennes MV Agusta, tu te rappelles pas? T'avais un réservoir qui remontait comme ça. Mais alors moi, je suis montée dessus, tu vois, au salon. Et la selle est pas, l'arcade de selle est pas si fine que ça. Elle est pas très haute non plus, tu vois. Elle est à 830 mm. Donc c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais surtout l'arcade est pas si fine que ça. Donc moi, avec mon 1m60 là. C'était 2 points. Ouais, d'accord. C'est pas une bonne. De toute façon, en même temps, si tu regardes la philosophie de KTM,
je sais pas si vous avez remarqué, oui, c'est bah, quand même c'est toujours des bécanes un peu hautes. Oui. C'est un peu cross, super mode, ouais, toujours oui, dans la gêne. Toujours un petit peu haut, un petit peu exclusif en position. Non, mais vrai, elle est hyper légère, parce qu'elle fait quoi? Elle fait 169 à sec. À sec, c'est ça? Non, à sec. Tout bien fait ou à sec? À sec, à sec. On va arriver à 190 avec. Je crois qu'on s'était trompé dans un. 15 kilos? Dans un truc. 15 kilos seulement, c'est léger. 15 litres, pardon. 15 litres. Mais dis, ouf. Dis-moi, c'est pas vrai. 15 kilos. Excusez-moi. Fantastique. Non, mais celle-là, franchement, moi, elle m'enthousiasme. Ah, j'ai hâte de voir le twin, le twin parallèle. Oui, parce qu'en plus, tout nouveau moteur. Tout nouveau moteur. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que jusque-là, tout ce qui était en dessous jusqu'à 6,90, c'était du mono. Ouais. Oui. Après, pour passer à un bi, il fallait directement passer à 1290. C'est quand même pas tout à fait le même gabarit, c'est pas la même histoire. Quand tu montes dessus, c'est pas la même architecture non plus. Ouais. Et là, pour le coup, 790 en bicylindre chez KTM, ah ouais, ça risque d'être quand même assez. C'est sympa ça, assez sport quoi. À mon avis, ça va être sympa. Alors l'idée, mon avis, Mehdi va se faire un plaisir d'aller. Ça, elle s'enregistre. Vous avez non. Mehdi qui fait la présentation. Oh, je sais pas, ils vont se battre. Il va falloir que je les départage. T'inquiète pas, je m'occuperai de l'air. T'en fais pas, va pas faire la 590. Une MT9 SP, t'avais adoré la MT09. Ah, MT9 SP. Oh là là, ça peut être bon. Parce que toi, t'avais fait la MT10 SP. Et t'avais fait aussi la MT09. Oui, ouais. En présentation, ouais. Mais en comparatif, justement, on avait pu les tous les essayer. Et moi, j'avais jamais pu monter encore sur j'ai pas fait la MT10SP. MT09SP, j'attends avec impatience parce que sur la MT09, globalement, ce que je reprochais moi toujours, c'est l'amortissement. Je trouve que c'est toujours un peu souple. Ouais. Là, on voit arriver des MT09SP avec des amortissements de folie. Ouais. Et je pense que ça va être. Enfin, les suspensions de dedans. Ah bah oui. Et je pense que là, ça va devenir alors une bête de course, ce truc. Enfin, pas de course, me comprends. Il n'y a pas de réglage électronique, hein. C'est vraiment juste des suspensions de meilleure qualité. Ouais, pas comme sur la SP. Mais de très bonne facture, on va dire, même. Parce que c'est quand même du lourd ce qu'ils ont mis dessus. Et c'est très très bien. Ce que tu dis, Mehdi, c'est pas le même niveau que la MT10 SP. Parce que ce sera pas le même prix non plus. Voilà, on n'est pas dans la même gamme de prix. C'est plus accessible. D'ailleurs, je me souviens pas combien ils ont dit qu'ils allaient la vendre. De la MT-09 SP, je ne sais même pas si c'est vraiment... On ne sait pas. Chez Yamaha, on a eu très très peu d'estimations. Bon, enfin, à ton avis, moi, à mon avis, ça va tourner un petit peu plus de 10 000, quoi. Ouais. Bah, oui. Ça fait toujours moins que... De toute façon, ce sera 1 000 euros de plus que la version standard. Quoi. Non, mais en gros, tu payes l'amortissement. Dans les 10 000... Tu payes ça, c'est quand même beau, les suspensions, tout ça. Et j'adore la petite molette, moi, avec le... Ouais, un peu déporté, là. Ouais, c'est un peu déporté, ça ressort. Ça fait un peu bling-bling, quoi. Ouais, moi, j'aime bien. Ouais, t'as du bling, c'est tout le monde, quoi. Ouais, bah, de toute façon, c'est ce qu'on aime aussi, quoi. Bah oui, vas-y, boude pas ton plaisir. Bah sinon, ce serait pas doré. Toi, c'est pas pour les autres. Mais oui, mais bon, attends, t'as du all-in, sinon faut pas mettre des trucs qui sont dorés et tout, on voit que ça, quoi. Ouais, tu vois, bon, c'est vrai. C'est tu les repeins, tu les repeins à la gouache avec de la peinture jaune, tu vois. Tu vois, je préfère la revisite des suspensions de la nouvelle MT-07, où là, du coup, c'est... Enfin, je préfère dans l'esprit juste revoir quelque chose sans mettre quelque chose de clinquant. Oui, mais elle s'appelle pas SP, la MT-07. Oui, c'est pareil, parce que là, t'achètes de la SP, c'est un nouveau roster cette année, et puis je trouve que le fait qu'ils aient revu justement les suspensions... En fait, ils ont juste, mis un nouvel amortisseur avec un réglage qu'il n'y avait pas avant, et puis la fourche, mais il n'y a pas de réglage, mais effectivement, la fourche a été revue pour un comportement plus sportif, c'est ça, c'est sûr. Et ils annoncent une suspension de meilleure qualité, une suspension qui sera un petit peu plus consistante. Oui, voilà, c'est ce que je viens de dire. Merci. D'accord, tu veux dire, je t'écoutais pas, quoi. C'est ça, exactement. Réveille-toi, cher Eric. Allô. Allô, il y a quelqu'un là-dedans. McFly. Retour vers le futur. Attends, on rembobine. Faites tout partir. MT-07, j'ai entendu plein de gens qui disaient plein, elle change pas beaucoup. Je suis pas d'accord. Regardez bien les détails. Regardez bien les détails. Il n'y a quasiment rien esthétiquement parlant. Non, mais évidemment, un roadster sort. Non, mais c'est des petits retouches. Il y a plein de petits détails. Il y a plein de petites choses qui changent. C'est de la poudre aux yeux, ça, monsieur. Non, c'est pas de la poudre aux yeux. Ah non, désolé. Quand tu changes. Non, mais regarde le radiateur. Il est passé de gris à noir. C'est tout bête, mais déjà, claque. Boum. Je pense pas que ce soit le plus important quand même. Pour moi, c'est important parce que ce truc, je voyais que ça, ce radiateur. On aurait dit un grille-pain, là. Ça allait pas du tout. Là, maintenant, ils se font.
Quoi? Mais c'est vrai, quoi. On aurait dit un truc là pour chauffer chez toi. Tu sais, le petit radiateur additionnel, là, tu mets chez toi. Quand bah alors maintenant, il est noir, ça va. Il est content. Ouais. Moi, je suis contente de voir que la selle, tu vois, la selle, elle a bien évolué aussi. Maintenant, tu vois, elle s'adapte sur les côtés du réservoir. Ça va être vachement plus confortable, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, et ouais. Même la selle passager aussi, elle a été un petit peu allongée, etc. Enfin bon, t'as plus le trou qu'il y avait entre les deux. Ouais. Le phare, il est un petit peu plus gros qu'avant. Bon, ça, c'est pas ce que je préfère, le phare en appartement. Pourquoi ils ont pas mis un double phare, quoi. Et puis, effectivement, ils auraient pu mettre un double phare façon 09 pour faire un peu genre. Bah, oui. Bah, quitte à y aller, allons-y. Franchement, je veux dire, de toute façon, des critiques sur ce type d'éclairage sur la MT-09 ou sur la MT-10, ils les ont prises. Les critiques en question, ça les a pas empêchés de vendre de la moto. Comme quoi, critiquent le plus sont pas forcément ceux qui achètent, donc à la limite, on s'en fiche. En revanche, un vrai air de famille avec les deux autres, ça leur est rendu un peu plus musclé. Bah, ils ont refait un petit peu le feu arrière façon MT-09, mais pas l'avant. L'avant, il est un petit peu. Après, peut-être que sur les 6-700, il faut être un peu plus consensuel quand même. Sinon, et puis, surtout, faut pas non plus faire enfler trop le prix. Ça, je sais pas si ça joue beaucoup. Ah, bah si, sur ce type de moto, enfin ce niveau de gamme, elle est à 6999. Si elle dépasse 7000, c'est symbolique. C'est pas parce que tu fais ça. Psychologique. Ça s'en bat, attends. Ouais, mais là, attends, si elle dépasse les 7000 l'année prochaine, bon. Ouais, bah t'es plus. T'as passé un seuil psychologique. Oui, c'est vrai. Ah, on va voir, parce que là, c'est pareil, on n'a pas d'estimation. Et on était sur la MT-09, pardon, je reviens un petit peu là-dessus, MT-09 SP, là. Mais du coup, ça me fait penser au Nikon. Mais non, mais t'as re-sujet, on parlait de Roadster. Et alors, c'est pareil. Ah, c'est une nouvelle façon. Tu voudrais dire que c'est un truc à trois roues. C'est un Roadster à trois roues. Quoi. Attends, ça part d'une MT-09, faut savoir. C'est une MT-09 à l'arrière, c'est un nouveau truc à l'avant, avec deux roues à l'avant. Et puis dedans aussi, c'est une MT-09, parce que le trois cylindres. Partout, jusqu'à ce train avant qui est hyper particulier. Avec ce que nous a dit Eric de Seine, là, quand tu regardes les virages. Alors, j'étais pas là, mais. On y va dans les virages. Apparemment, ça reste très sportif quand même. Ouais. On retrouve, c'est vrai, un petit peu la philo roadster chez Yamaha. Moi, j'y crois pas. Sportif. Tu crois pas, toi? Ah ouais, moi, mais pourquoi? J'y crois pas. Mais parce que je vois pas comment un truc qui est aussi massif à l'avant, ça peut faire tac, 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 comme ça. J'y crois pas. Que ça soit hyper stable en couple. Wow, alors, vas-y, tu nous expliques. Ackermann. C'était un monsieur qui... Il était gentil. Il avait des petits trous comme ça. Parce que Ackermann, sinon, fait du vin mousse. On peut pas. Surtout quand... Pardon. Ackermann, c'est un système qui permet en gros de modifier la position des roues au sol pour raccourcir un petit peu l'empattement de la roue intérieure. C'est ça, pour pouvoir se passer d'un différentiel, en fait. Exactement. C'est exactement ça. Sauf que là, c'est purement... Non, mais... Ouah, la vache, attends. Tu m'as scotché, là. T'as vu, hein? Ah non, mais là, tu m'as scotché. C'est la grande classe. Ah ouais, non, mais attends, différentiel. Putain, dans ta bouche, c'était un truc de... Waouh, dis donc. Nazarine, tu peux m'appeler Nazarine. Je vais passer une soirée, là, différentiel. Je vais me le repasser en boucle. Bon, donc... Ça a l'air bien foutu, son truc, mais... Moi, je suis on jugera sur pièce. On jugera sur pièce. En tout cas, le moteur est déjà assez sympa. C'est vrai que bon, travailler un peu. Il y en a certains déjà qui regrettent que ce soit pas un plus gros moteur, mais oui, Eric de Seine, le premier. Ouais. C'est vrai qu'Eric de Seine. On va déjà voir avec la MT-10. On va déjà voir ce que ça donne avec ce moteur. Attends, c'est plus les mêmes. Moi, je trouve ça chouette que Yamaha prend un risque là, tu vois. Et je le disais dans une de mes dernières newsletters de motoservice.com, n'est-ce pas? Le Japon se rebiffe, tu vois, face aux Européens qui ont eu pendant quelques années, qui ont tenu la dragée haute aux Japonais. Et là, reparti sur une grosse, grosse dynamique parce qu'il n'y a pas que le Nikken. Moi, il y a une question que je voudrais vous poser, les amis, c'est à votre avis, combien pour le Nikken, à votre avis? Moi, je serais curieux de savoir combien vous estimez le prix pour que ça soit acceptable d'un 3 roues Nikken Yamaha. Oui. Est-ce qu'on dit, nous, ce qu'on pense? On dit ce qu'on pense. Moi, j'ai des petites infos. On a eu des infos à ce sujet. D'impôts. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas une histoire d'argent. Non, mais sans parler d'infos qu'on aurait pu avoir. Franchement, il y a une fourchette, quoi. Ouais, une grosse fourchette. Moi, j'avais estimé à 15 000. Ouais. A priori, il sera entre 15 et 20. Ouais. Après, moi, je pensais 13. Non, 13, c'est plutôt pour la CB Miller.
Voilà. Ah. Bon, oui, parce que je te parlais des Japonais. Ah. Eh ben, CB Miller. CB Miller. On était tellement contents de l'avoir sur les photos quand on a reçu le dossier de presse. Waouh, ouais, Honda, merci, cool, enfin cette année. Ah, c'est cool ça. Oh là là. Là. Et puis la famille CB, on aura l'occasion de parler des petites, là, ouais, 125 ouais, et 300, ouais, une autre émission, mais enfin quoi. Ouais, ah, carrément. 145 carrément. Chevaux, 212 kilos. Des modes de conduite. Le moteur de la CBR 1000 la ouais, dernière. Ouais, des conflits, bien retravaillé. Il bon, y a des petits trucs un peu bizarres, esthétiquement c'est... parlant. Je vous cache pas qu'il y a des petits trucs qui m'ont un peu déçu. Moi. Ouais, moi aussi. J'aime bien. Une fois sur place, entre ouais, les photos et, tu ouais, vois l'intégration des petits blasons sur le réservoir. Ouais, qui ressortent. J'ai trouvé ça, ça. Ouais, ah, t'as si, une petite pièce plastique. Non, mais t'as une petite pièce plastique derrière. Quand tu vois ce qu'a fait Husqvarna, tu vois sur les Svitpilen. Où tu vois, c'est le réservoir qui vraiment prend une forme et sur le dessus, c'est là ils ont rajouté un petit bout de plastique derrière pour ouais, mettre à l'horizontale. Ouais, derrière ouais, bah, quoi c'est je comprends tu pas. Vois, entre le blason et le réservoir, il y a une petite un pièce plastique. Bah écoute, moi je trouve pas ça super élégant, je suis désolé de le dire. Voilà. Mais ça se trouve, c'était les premières séries. Non, oh, j'y crois pas beaucoup. Non, gentil, mais attends. Honda, ça m'étonnerait qu'ils sortent une CB Miller. Pas bien fini. Non, c'est bien fini. C'est juste ils ont fait un choix qui n'était c'était pas de donner une forme au réservoir pour incliner les blasons sur les côtés rouges magnifiques émaillés là, tu vois, c'est super beau quoi. Et ils ont pas fait le choix de donner une forme au réservoir qui permettait de les incliner comme ils voulaient. Donc ils ont rajouté un petit élément derrière pour voilà, et moi je trouve que c'est un petit peu dommage. Pour le reste, je la trouve quand même assez Ah oui, son monobras là, la pièce, là comme tu disais quoi. J'attends de juger. Oui. Après le look, j'avoue quand même, je trouvais que le moteur était vraiment proéminent et que toutes les autres parties étaient minimalisées au possible. Mais ça lui donne cet aspect très trapu. On dirait que c'est un bloc de métal, quoi, le truc. Quoi. Ah ouais. Non, mais... Je trouve ça juste... Enfin voilà, par rapport aux photos que j'avais vues qui étaient plus jolies, je trouve en vrai, moi, j'avoue avoir été un petit peu déçu aussi quand même. Là, on est sûr que ça va être sympa, c'est au niveau moteur, en termes de puissance, etc. On espère aussi que ce 4 cylindres, comme l'annonce Honda dans son dossier de presse, va être bien dense, à mi-régime. Hein. Mmh. Voilà. Ouais, bah oui, ça, bah oui. Et puis la sonorité, paraît-il, aussi a été très travaillée. Le feu, il est superbe. Il y a plein d'éléments qui sont vraiment très très sympas. Bon bref, il y a pas mal de choses quand même qui se profilent. Ouais. Des essais à venir. On sera ravis, ouais, évidemment, de vous faire partager ces petites émotions avec nous prochainement. Et ce que je vous propose, c'est de passer à l'équipement. À l'équipement. Parce que c'est important. Parce que c'est important d'être bien équipé. Bah, c'est parti pour l'équipement. L'équipement, c'est les bottes. Alors les bottes. C'est les bottes, c'est mes petites bottes, c'est mes petites bottes. Ça y est, toi aussi, tu vas faire la rubrique chanson. Attention, ça va mal se finir. C'est bon, comme shopping, ça va être chanson. Si vous commencez à chanter. Alors qu'est-ce que c'est que ces petites bottes Alpinstar, sympa mignon, petite ça. Botte Alpinstar SMX 6 V2, s'il vous plaît. V2. Stella. Stella, oui, pour filles, Stella pour filles, parce que je suis une fille, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Genre, alors, je me souviens que quand tu les as reçues, tu m'as dit, oulala, ça c'est raide, je vais pas être bien dedans. Eh bien, final. Eh bien, écoute, figure-toi, c'est terrible, mais c'est la première paire de bottes pistes dans laquelle je n'ai pas mal. C'est pas vrai? Et je suis même bien. Très, 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 très bien. Des chaussons. Je remercie Alpinstar pour les avoir faites parce que... exagère pas quand même. Rouler sur... T'as signé un chèque ou quoi qui s'est Non, écoute, je te... Non, mais je sais qu'on va nous le dire, je préfère le dire. J'ai essayé plusieurs marques. Eh bien, écoute, sinon, j'ai essayé plusieurs marques. C'est la première paire où je ne souffre pas. Enfin, avec laquelle je ne souffre pas sur piste. Ça tient à et quoi, donc, ça tient à quoi. C'est confortable à l'intérieur. C'est confortable à l'intérieur, il n'y a aucun point de pression. Ouais. La taille correspond à peu près. Bon, pour les bottes piste, je prends toujours une taille au-dessus. Donc là, j'ai pris 39 et c'est juste parfait. Parfait, parfait. Alors que d'autres marques, j'ai pu prendre 40, ça n'allait toujours pas. Ouais. Et donc niveau l'intérieur. Tu commandes et tout, t'es bien là-dedans. Mais, toi, tu ressens bien. Oui, les... parce qu'elles se sont assez vite assouplies. Ouais. Tu vois, elles ne sont pas non plus trop rigides. Bien sûr, ça te sert là où il faut que ça te sert au niveau de la cheville, mais ça te laisse ta liberté de mouvement. Les réglages, c'est facile à faire? Les réglages sont très faciles à faire. Gros velcro, là, ça tient bien. C'est bien ventilé, tu crois? J'arrivais aussi... Je suis pas sûr. Elles sentent bon, en plus, elles sont tout cuir, c'est du vrai cuir. Elles sont bien ventilées, ouais. Elles sentent très bon. Ouais, enfin... Je te jure. Quand même, un peu. Ah, t'as quand même un petit zip, quoi. Oui, t'as le zip, j'arrive bien à le remonter presque jusqu'au bout, malgré la combi qui prend toujours beaucoup de place. Ouais. Nanana. Ouais.
Écoute, j'étais super bien toute la journée avec même deux jours de piste. C'est sympa ça quand tu. Ah oui, ça a l'air d'être bien adhérent ça. Nickel. Parce que souvent c'est un peu le problème, je trouve, avec les pompes de piste, ça glisse un peu. Ça doit être cher. Eh ben non, ça glisse pas trop et c'est pas plus cher que d'autres, 239,95. Ah ouais, dans le prix. Bah ouais, ça va. Dans le prix. Voilà. Non, franchement, ça va. Ça va, voilà, 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 voilà. Bon, bah écoute, c'est bon, rien. Donc, de je les garde. Voilà, t'es merci. Sûr voilà, voilà, voilà. Non, tu vas les rendre, ouais. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on passe au zapping, bien sûr. Oh, zapping, c'est ah, bah oui, c'est le zapping. C'est la fin, zapping. C'est la fin de l'émission, on passe au zapping. Allez, c'est parti sur le zapping. Zapping. Mais il t'est arrivé quoi? Hein? Il t'est arrivé quoi? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai voulu faire demi-tour. Je me suis retrouvé dans le champ. Ah mais attends, mais... Complexe. Je suis en train de cramer le champ. Attends, je vais essayer de ressortir. Je suis désolé, monsieur l'agriculteur. J'ai un peu pourri votre champ. Donc c'est la rentrée de Botanico. C'est l'émission, pas qui pense dans les virages, c'est l'émission qui vous laisse sur place.
Check. D'accord. Ouais. Check. Oui, oui, bon, allez. Bravo. Hein et non, eh, bravo Amandine Culembourg qui nous fait ce petit, petit zapping toutes les semaines que vous retrouvez en avant-première sur Facebook. Oui, c'est vrai, c'est Amandine. Parce que nous avons un Facebook. Deux même. On en a un moteur live et un moto service. Et la moto classique. Et la moto classique. Et la moto classique, mais c'est vrai. Trois. C'est néo-rétro. En plus des classiques. Voilà, exactement. C'est vrai. Et motoservice.com, hein, n'oubliez c'est pas. On est partout. On est partout. On est partout. Mais on n'est toujours pas à 100 000 sur moteur live. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais ça serait sympa hein, de nous faire passer quand même cette barre un petit peu symbolique hein, quand même. Les 5 000. Donc, on abonne son chat, son canari, tout, la grand-mère, les copains. Même votre voiture ou votre moto. Bon, allez, stop. Stop, c'est bon. Allez. Non, mais non, mais on veut les passer, les 100 000. On va le ranger. On va le ranger. Ouais, ouais, plie-le, là. Surtout, mets-le. À la semaine prochaine.